Bonjour à tous, bienvenue à Cosmosen. Les élections européennes se profilent à l'horizon dans un contexte européen et international singulièrement chargé, marqué de doutes, d'interrogations mais aussi de menaces qui pèsent sur notre union. Nous entendons dire par les uns et les autres que ces élections seront un rendez-vous absolument majeur, un moment de vérité pour décider ou pas si nous voulons poursuivre l'intégration européenne en confirmant notamment les capacités de l'Union européenne de maintenir ou même de renforcer son unité, qui serait la seule à même de faire face aux menaces qui pèsent. Donc il me semble que le moment est tout à fait indiqué pour parler avec un philosophe et de revenir avec lui sur l'histoire de la construction européenne pour mieux la comprendre, mais mieux aussi saisir le contexte dans lequel elle s'est développée et les objectifs qu'elle se proposait d'atteindre, de voir aussi bien sûr si les résultats sont à la hauteur des attentes qu'elle avait pu susciter. Donc pour en parler, je reçois aujourd'hui Jean-Louis Villierme. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Très bien. Donc je, je disais que tu étais philosophe, j'en profite euh, au passage d'ailleurs pour rappeler que tu es l'auteur d'un livre euh, qui a fait euh, beaucoup de bruit, Le nazisme dans la civilisation, miroir de l'Occident, qui nous avait montré, enfin tu, tu, tu dis que tu analyses en fait le nazisme comme un génome et que tu avais euh, considéré qu'il y en avait des traces en fait à des sources multiples, au-delà bien sûr du fait de... Du, de la conjoncture et du contexte dans lequel il s'est développé, et bien sûr de l'idéologie antisémite et raciale. Et donc, euh, on va au cœur même de la civilisation occidentale pour en trouver les sources. C'est un livre qui est désormais accessible en poche, qui a été traduit dans cette langue, et qui vient d'être traduit en langue anglaise. Je le dis à l'attention de ceux qui nous écoutent, puisque ça assurera très certainement une diffusion plus grande encore à cet ouvrage. Mais revenons à l'entretien. Jean-Louis, je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous. Euh, J'aimerais t'entendre sur... Ton analyse historique de la construction européenne. En clair, selon toi, euh, si tu me permets cette question très, très simple, euh, comment et pourquoi en, en sommes-nous arrivés là où nous en sommes aujourd'hui À toi la parole. Écoute, c'est beaucoup d'honneur que tu me fais, parce que. Mais enfin, bon, j'essaye. La, le point de vue du philosophe, il a le mérite de pouvoir se sortir de l'immédiateté de, de l'action et, et de toutes les discussions techniques euh, qui sont en général celles que l'on a sur l'Europe. Et moi, je te propose un, un bond en arrière d'un de, demi-millénaire carrément, même en fait un peu plus. L'idée est que euh, le monde est généralement, connaît généralement la présence d'une pluralité d'empires autour duquel il y a des satellites et au loin desquels il y a un certain nombre d'entités politiques qui sont plus ou moins capables de maintenir leur indépendance. C'est, on pourrait dire, la loi générale de, de, de l'humanité. Ça a toujours été le cas. Alors maintenant, revenons au moment clé euh, pour l'Europe, avant de parler de construction européenne. Le moment clé pour l'Europe, c'est le XVe siècle. C'est-à-dire que l'Europe n'est pas formée par un empire, mais par une pluralité de royautés, de principautés, de cités, de tout ce qu'on voudra, mais que se profile à côté d'elle un très grand empire, qui est l'Empire ottoman, qui n'est pas menacé sur ses arrières par l'Empire Ming ou par les autres empires qui existent, et qui s'apprête à enfoncer... Euh, la dernière barrière des pays européens qui est l'empire byzantin et c'est 1453 la chute euh, de Constantinople. Alors ce qu'il faut bien réaliser c'est qu'à cette époque les pays européens sont en guerre permanente les uns avec les autres et que euh, au point que certains rois, notamment les rois de France il doit dire, ont pris pour habitude de s'allier avec les Turcs contre leurs voisins européens. Et progressivement, euh, les Turcs avancent, avancent en Méditerranée occidentale, et le destin de l'Europe paraît euh, relativement inquiétant. Et se produit une sorte d'événement imprévisible qui est l'arrivée des trois caravels de 1492 de, de, de Christophe Colomb. Alors, ça a un effet, déf une déflagration, puisque. La plupart des grands pays européens vont chacun se construire un empire colonial. Ça commence par l'Espagne et le Portugal, mais très très vite la France, l'Angleterre bien sûr, le, la Hollande, etc., vont tous être en compétition pour se constituer un empire. Alors, ce dont ils bénéficient en commun, c'est de l'or des Amériques, pour le dire vite, qui va leur donner les moyens. Euh, D'acheter les, les canons, les armements qui vont permettre de faire pièce aux Turcs. Et ça arrive assez vite, puisque, ils ont la date symbolique, c'est la bataille de l'Épente, euh, 1571, si ma mémoire est bonne. Mais donc, qu'est-ce que va être l'histoire de l'Europe à partir de là C'est la guerre ou la rivalité guerrière de l'ensemble des grands pays européens pour non seulement accroître leur empire propre à chacun, mais pour acquérir, l'un d'entre eux cherche, devra acquérir le contrôle de l'empire européen tout entier et le former. Tout le monde va s'y essayer, euh, les, les Français euh, particulièrement, mais ils ne, sont, ils ne sont pas les seuls. Et euh, l'Angleterre va essayer, elle, d'empêcher cela par sa politique d'équilibre continental, mais va participer néanmoins à toutes ces guerres. Donc l'histoire de l'Europe, à partir de cette date, c'est une autodestruction. Une autodestruction par des empires qui se combattent. Et ça atteint des propos... Je ne vais pas te faire la liste gigantesque de ces guerres. Il y a Louis XIV, on a quatre, cinq absolument majeurs, mais il y a évidemment les guerres napoléoniennes, la guerre de 100 ans, la guerre de Sept ans qu'on appelle la Première Guerre mondiale, etc. Donc il y a donc la Première Guerre mondiale proprement dite et la Deuxième Guerre mondiale. Et là, tout le monde est exsangue. Tout le monde est exsangue et on se dit... Il faut faire quelque chose, il faut renoncer à ce que l'un des pays européens acquiert la domination de l'Europe. Et ça, c'est l'origine de ce qu'on appelle maintenant la euh, construction européenne. Cette origine, elle se veut initialement politique. On est dans des, dans des idées fédéralistes. Le modèle, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc tout le monde a commencé. Le premier, c'est Winston Churchill qui annonce les... les, les les États-Unis euh, d'Europe, mais les États-Unis d'Europe, ça veut dire qu'on euh, euh, ne va pas faire les choses par petits bouts, euh, qu'il faut faire les, les, les grandes intégrations en premier lieu, à commencer par la défense. Parce que si la défense se fait, elle entraîne tout le reste, puisqu'on ne peut pas avoir un commandement unifié sans un gouvernement unifié, et sont en réalité toutes les structures politiques. Euh, d'une fédération. Bon. Les Français ont décidé que ça ne se ferait pas. Euh, les uns pour des raisons euh, nationalistes, ça c'est plutôt à l'époque les gaullistes. Les autres pour des raisons euh, d'affinité avec l'Union soviétique qui n'a pas euh, très envie d'une construction de, euh, militaire en face d'elle qui se rajouterait aux Américains. Et, euh, et, et les autres encore... Tout simplement parce que la France, à ce moment-là, commence à rentrer dans ses guerres de décolonisation et euh, veut contrôler entièrement ses armées et ne peut pas les confier, euh, pense-t-elle, à des tiers. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on peut dire que l'unité politique ne sera plus faite. Donc, à la place, on va faire tout ce qu'on peut. On va faire beaucoup d'économies, mais c'est de l'économie politique. Euh, la communauté charbon-acier consistait à dire on s'empare de la richesse industrielle allemande, hein, qui vient d'être après la défaite, et on, on en fait un bien commun. Bon. Tout ça nous conduit au marché commun, donc à, à une Europe à la fois euh, essentiellement économique, mais qui adopte les valeurs fondamentales d'une démocratie. Euh, des juridictions, des principes relatifs aux droits de l'homme. Euh, et c'est à peu près l'Europe que nous avons aujourd'hui. Simplement, cette Europe, elle ne va jamais être une Europe véritablement politique. Donc on va voir se constituer la plupart des institutions d'une organisation politique, mais d'une manière telle qu'elle ne puisse pas fonctionner euh, véritablement. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, un, enfin, euh, nous avons euh, une après l'élargissement qui a été voulu par la Grande-Bretagne euh, pour s'assurer définitivement qu'il y aurait suffisamment d'États disposant d'un droit de veto pour qu'il n'y ait jamais euh, d'union politique possible, mais par contre qu'il y ait un grand marché européen bien unifié pour pouvoir euh, y faire son commerce. Grande-Bretagne qui s'est retirée, je dirais, œuvre achevée. Bon. Euh, donc l'Europe telle que nous la connaissons, elle, elle, elle est en grande partie due à la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce que nous voyons Alors, on n'a on a pas arrêté tout. Que le Parlement a eu de plus en plus de, de, de pouvoir, a été constitué de plus en plus comme un véritable Parlement. Euh, C'est encore imparfait, mais ça ressemble à quelque chose. On a transformé en théorie la Commission en un exécutif euh, commun, mais en réalité, c'est une administration au service d'un exécutif qui est en fait ce qui aurait dû être un Sénat, c'est-à-dire le Conseil des ministres européens. Parce que le Conseil européen dispose du pouvoir de bloquer absolument tout. Et quand on est à 27, euh, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Donc nous en sommes dans la situation euh, présente. Personne ne comprend rien. Le public reste très européen. Ce sont les, les partis politiques, les gouvernements qui, euh, qui parlent beaucoup d'Europe, mais qui ne souhaitent pas la faire, Ils, sous des, des, des motifs, je ne dirais pas des prétextes, des motifs de souveraineté. Mais voilà, aujourd'hui on a ça, on a des gens qui, un public qui, majoritairement tous les sondages le monde, est pro-européen, des gouvernements qui agissent de manière nationaliste et des institutions qui dysfonctionnent parce qu'elles ont été organisées pour dysfonctionner. Voilà ah, très bien. un premier tableau. Merci. Alors effectivement, euh, si, si on, on se reporte dans, dans le contexte que tu as fixé, il y a eu une, une amélioration de l'intégration incontestable au travers des différents traités, mais ça reste euh, relativement inachevé. Nous avons une union, en tout cas sur le papier, qui est désormais politique depuis Maastricht et le début des années 90. Dans la réalité, on peut se poser la question de savoir si justement, c'est là que ton éclairage va être intéressant, euh, il s'agit véritablement, précisément, d'une union, d'une démocratie, on pourrait dire, européenne. Est-ce qu'on peut se permettre d'accoler ces deux termes, d'ailleurs Ou est-ce qu'au contraire, les imperfections de son architecture, le, son caractère inachevé, sont telles qu'on ne peut encore pas raisonnablement parler justement d'une démocratie européenne et d'une union politique digne de ce nom donc, est-ce que tu peux te concentrer un peu sur ces imperfections et, et dire quelles sont, à tes yeux, celles qui sont véritablement celles qui posent, celles qui posent le plus de problèmes Alors, je préfère voir le bon côté des choses. Qu'est-ce qu que serait une Europe politique démocratique Ça n'est pas si compliqué que cela. Euh, et on peut dire qu'une grande partie du chemin est fait. C'est-à-dire, on a des institutions juridiques, ça c'est cl la clé de toute démocratie, parce que le vote n'est ne pas, pas le tout d'une démocratie. On a des principes juridiques mis en place et on a du vote un peu partout. Moi, je suis, sur mon passeport, il y a marqué citoyen européen. Bon, sur mon je suis un citoyen européen qui suis d'abord, en premier lieu, citoyen de ma municipalité. J'appartiens à une ville. Donc, j'élis. Euh, une assemblée euh, municipale devant laquelle un exécutif est responsable. Le même truc se reproduit aux échelons supérieurs. En France, il se trouve que c'est les départements en Belgique, c'est les régions, etc. Et puis, on arrive à l'État euh, national où ça se reproduit une fois de plus sans que jamais les niveaux inférieurs ne viennent interférer euh, avec le niveau supérieur. Et c'est ça une démocratie. Simplement, quand j'arrive au niveau euh, de ma fédération, dont on me dit que je suis citoyen, là, on me dit stop. On me dit, vous élisez un parlement. Bon, D'ailleurs, vous l'élisez d'une manière que nous avons organisée pour être nationaliste, c'est-à-dire avec des, des listes nationales, etc. Bon, bon, admettons encore. Mais ensuite, pour l'exécutif, là, on me dit stop. L'exécutif européen n'émane pas de, de ce Parlement pour lequel vous avez voté et n'est pas dépendant de lui d'une manière constitutionnelle structurée, même dans le cadre d'une complète séparation des pouvoirs. Il n'y a pas d'élection euh, démocratique, ça va sans dire, de la Commission. Et il y a ce Sénat qui décide que... Bah, C'est lui qui, en réalité, va veiller à la manière dont l'Europe est gouvernée. C'est un petit peu comme si on, on modifiait légèrement les institutions des États-Unis pour dire bah écoutez, on va faire un Conseil des gouverneurs de chacun des États américains et on va lui confier le soin de superviser les, toutes les nominations, le budget, euh, euh, de bloquer à volonté toute législation. Et on va faire en sorte que il y ait suffisamment d'États américains disposant d'idées profondément différentes pour que euh, tout le monde se bloque en permanence. Bon, et c'est la situation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, Il y a deux voies. Soit on dit, bah, la voie démocratique, il faut éliminer le blocage. Bon, mais <laughs> comment on fait C'est-à-dire, qui va initier Parce que même si le Parlement disait « je deviens une constituante », on dirait « rayonné. La commission n'en parlant pas, on la verrait à la seconde. Et, euh, et quand au Conseil des ministres se sabordant pour euh, faire une telle chose, tout ça, c'est du domaine des rêves pour enfants. Donc, euh, que peut-on qu peut faire en pratique voilà. euh, Alors, précisément, on va se concentrer sur cette euh, partie des, euh, désormais. J'ajoute à ce que tu disais d'ailleurs que la. Il y a aussi le Conseil européen, parce qu'on est normalement désormais dans une espèce de carré institutionnel, on n'est plus dans le triangle, et ce Conseil européen depuis Lisbonne vient jouer un rôle absolument essentiel dans cette configuration institutionnelle et aggrave encore, ce qu'on comprend dans ce que tu dis évidemment, la dimension intergouvernementale, en fait, d'une union qui pourrait se penser beaucoup plus souveraine, pour reprendre un terme qui est, qui est à la mode. Alors, concentrons-nous justement sur les, les voies possibles d'amélioration. Euh, on a compris au travers de ce que tu disais qu'il y a des espèces d'invariants politiques qui ne sont pas nécessairement euh, respectés par l'Union européenne, qui reste effectivement un opni, hein, un, un objet politique non identifié, comme disait Delors. Euh, mais cet opni, il n'est pas simplement non identifié, il est inachevé. Il y a incontestablement un besoin euh, de parfaire sa dimension démocratique. Donc, quelles sont, selon toi, les possibles voies d'amélioration On ne va pas nécessairement d'ailleurs brosser un un ensemble trop varié de, de, de dispositifs. Ce qui serait intéressant, c'est selon toi, quelles sont les choses qui sont les plus plausibles, et plus à même d'être réalisées, et sans doute les priorités Si on part du principe que l'Europe, c'est compliqué, on va faire un peu dans le compliqué, hein, euh, volontairement, puisqu'on a une situation bloquée. On a une situation bloquée aussi longtemps qu'on ne pense l'Europe que comme une unité comprenant un nombre stable de pays, un nombre qui peuvent chacun s'opposer à ces décisions. Il y a une autre entrée dans l'Europe, qui est une institution qu'on appelle officiellement dans certains cas et officieusement dans d'autres cas, les coopérations renforcées. C'est-à-dire qu'il est permis à tout pays d'en appeler un tout petit nombre d'autres à coopérer de manière, dans, dans des domaines définis et à se faire ensemble des transferts de souveraineté pour gérer les choses. La plus importante des coopérations renforcées euh, est celle qui n'en est pas officiellement une, hein, c'est euh, la Banque Centrale Européenne. Chose inouïe, puisque <laughs> la Banque Centrale Européenne, étant une institution de l'Union Euro Européenne, c'est l'Union Européenne qui s'en attribue les financements, et non pas les seuls pays. Qui en son membres et les autres pays de l'Union européenne peuvent bloquer un certain nombre de décisions quant aux conséquences et aux modalités de ces financements. Merci, Monsieur Orban. Bon. C'est-à-dire certains qui font partie de la zone euro et donc qui ne font pas partie de la ils zone euro. Font pas partie. Mais voilà. ils arrivent à reprendre le contrôle de cette source fondamentale de, de l'unification européenne, qu'est la Banque centrale européenne, à travers les institutions bloquées de l'UE. Mais il y en a d'autres. Il y en a des petites, des, des coopérations en matière de divorce, et il y en a des importantes. Et je vais en citer qu'une, c'est le parquet européen. C'est-à-dire qu'on on, on a créé le, le parquet européen avec de véritables pouvoirs judiciaires. C'est quand même euh, souverain de, de souveraineté. Et ça, c'est très important parce qu'on pourrait étendre le, le parquet européen à des choses très utiles. Si on pense que le crime organisé, par exemple, euh, il n'est pas européen, il n'est pas national, le crime organisé, mais ce sont bien les polices judiciaires nationales qui s'en occupent et, euh, et qui euh, coopèrent entre elles, mais par des moyens de communication. Euh, Qu'est-ce qui empêcherait que le Parlement européen soit doté d'un. Euh, pardon, pardon, le parquet européen, pardon, euh, soit doté d'une sorte de FBI à quelques pays ayant vocation à s'étendre à d'autres pays qui lui permettraient d'agir dans les secteurs que les traités ne lui permettent pas de couvrir aujourd'hui que les traités ne s'intéressent aujourd'hui qu'à ce qui a des implications financières sur l'union européenne en tant que telle mais le crime organisé euh, la traite d'êtres humains, par exemple, n'a aucun impact économique mesurable en tant que tel sur l'Union européenne. Donc, il faudrait élargir à l'ensemble, enfin, à un grand nombre de, de crimes qui deviendraient des crimes fédéraux. Et pour ça, il n'y a pas besoin de 27. Il y a déjà des membres de, assez nombreux, du reste, de, de ce parquet. Euh, on pourrait réessayer d'en faire droit avec tous les membres du parquet ou pas. Euh, pour renforcer les coopérations. Et on pourrait le faire dans beaucoup d'autres domaines, et ce serait une voie euh, d'avancée considérable. Parce qu'il faut redonner un peu de, de, de quelque chose à manger aux, aux européistes, c'est-à-dire à nos populations. Ce n'est pas parce que nos populations sont attirées de plus en plus par des nationalismes que euh, l'idée européenne a disparu. Euh, D'ailleurs, les nationalistes, qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui C'est faire une internationale nationaliste, une fédération nationaliste, très euh, bon, avec un pape qui se trouve à, à Moscou en général, mais qui n'aurait pas le pouvoir, euh, qui resterait évidemment dans, dans, dans l'Union européenne. Donc, ce que je dis, c'est voilà une voie euh, incontestablement possible euh, pour... non pas débloquer entièrement mais faire bouger considérablement une situation qui, hélas, est bloquée aujourd'hui. Merci, Jean-Louis. Cette question est une question qui est débattue. En fait, ce que tu évoques, c'est l'Europe le, à, à géométrie variable, ce qu'elle est d'ailleurs, ce qu'elle a toujours été. Il suffit de citer la zone euro Schengen pour comprendre qu'effectivement, euh, certaines mesures absolument essentielles ne s'appliquent pas à tous les États membres. Mais ça pose une question. Ça pose la question de savoir, en fait, je ne suis pas certain, moi, de connaître la réponse. Est-ce que, oui ou non, en donnant la possibilité à certains, d'une certaine façon, d'approfondir, d'aller plus vite ou d'aller plus loin, ce qui est évidemment un avantage. Ce n'est pas aussi le risque d'avoir une espèce d'Europe à la carte, où chacun vient et choisit ce qui lui convient, sans qu'il y ait une intégration générale et d'ensemble vers une plus grande fédéralisation, d'une certaine façon, de la chose européenne. Qu'est-ce que tu penses de cela le jour où le Conseil qui bloque tout dirait euh, non, il faut mettre de l'ordre dans cette affaire, on a tellement de coopérations renforcées que maintenant il faut les intégrer davantage, ce serait une voie possible, mais nous n'y sommes pas. Et de toute façon, nous voyons bien que l'Europe doit être à géométrie variable. Par exemple, on va avoir peut-être, euh, si elle n'est pas anéantie d'ici là, euh, l'intégration de l'Ukraine. Bon. <laughs> L'Ukraine, c'est un pays assez particulier, qui constitue un cercle euh, à part entière. Donc, la géométrie variable s'impose, à mon avis, euh, complètement. Elle n'est pas négative du tout, puisqu'elle elle ne pourrait que faire avancer, euh, l'Ukraine rentrerait beaucoup plus facilement avec un statut particulier, qui pourrait d'ailleurs comprendre une adhésion. Euh, à, euh, au, au traité monétaire, qui pourrait, euh, tout, tout ça. Il n'y a pas lieu de faire du binaire dans une situation qui ne l'est pas du tout et qui ne peut pas l'être aujourd'hui. Donc, progression, faisons une Europe euh, à géométrie variable, compliquée, euh, mais fonctionnant de mieux en mieux et intégrée le plus possible. Et ce qui, hélas, viendra en dernier, euh, si cela vient un jour, euh, mais M. Poutine est en train d'aider, euh, c'est euh, l'intégration militaire, puisque nous sommes dans une situation euh, catastrophique. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on a abandonné le projet militaire de la CED, on se dit, mais ce n'est pas si grave que ça, puisque de toute façon, ça va être pris en charge par le parapluie américain. Parapluie américain qui était très heureux de le faire, puisqu'il était en confrontation directe avec l'Union soviétique. Donc on s'est dit, on va faire d'autres choses avec, on va faire nos plans, on va faire euh, notre, notre État-providence euh, état encore plus facilement en réduisant nos dépenses militaires, etc. etc. Donc nous avons fait une Europe qui, qui avait renoncé aux militaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'en cas d'élection de Trump, euh, nous sommes largement désarmés. Donc... Euh, on voit tout le monde, tous les États s'affoler, euh, mais ils n'ont pas de solution immédiate, puisqu'un réarmement, ça ne se fait pas en six mois, en un an, et même en deux. Alors, ça va obliger l'Europe, au moins, se, pour, à se faire des coopérations renforcées, ne serait-ce que dans le domaine euh, des munitions interopérables, dans, 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 dans ce genre de choses, ce qui n'implique pas un commandement, euh, une chaîne de commandement des armées. L'intégration européenne ne peut venir que le jour où il y a une chaîne de commandement intégrée des armées. On ne peut pas avoir un général sur, euh, sur un champ d'un théâtre d'opération qui appelle 27 Gugus euh, avant de prendre une décision. Donc ça, c'est euh, non seulement impossible, mais ce, ce serait criminel. Donc C'est hélas ce qui viendra en dernier, mais la, des étapes sont néanmoins possibles. Comme ça, donc on va avoir une définition en fait, de différents cercles aussi d'intégration euh, divers, très certainement, puisqu'il y aura nécessairement des États qui, si toutefois ils participaient davantage à ces coopérations renforcées, en fait, auraient une intégration entre eux qui serait euh, bien supérieure à ce que d'autres États pourraient faire en étant euh, beaucoup moins euh, associés. Il restera toujours le problème que tu évoquais auparavant du budget et, et du fait qu'ils puissent bloquer alors même qu'ils ne font pas partie de la zone euro, ce qui reste quand même une... c'est un gros une, oui, c'est un problème assez étonnant. Alors, tu, comme tu le sais, les, les, les coopérations renforcées, c'est un outil qui a été euh, défini à la fin des années 90 et qui a été discuté depuis. Et, alors, c'est bon, je ne veux pas rentrer dans un détail de technicité trop élevé, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de mesures qui rendent aussi un peu compliqué euh, son utilisation, le fait qu'on limite ça à neuf États, par exemple, qui doivent participer, euh, que si tu te ne se mettre pas d'accord, on revient vers le Conseil euh, avec une procédure décisionnelle qui euh, implique les États qui ont échappé à la coopération renforcée. Donc, c'est ça reste difficile d'utilisation euh, d'une façon générale. oui, c'est tout à fait vrai. mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction pour des états membres de l'union européenne de faire entre eux des coopérations renforcées européennes qui ne soient pas l'union européenne. il n'y a pas d'obstacles de, de droit. on peut même imaginer quelque chose de fou. La, comme l'avait proposé Churchill euh, en 1940, euh, l'Angleterre voilà, et, et, et la France euh, fusionnent. Le Parlement français, le gouvernement anglais, ça, tout ça fusionne. Ça ne va pas se produire, ça peut je, être je garanti, mais <laughs> néanmoins, juridiquement, c'est tout à fait possible. Donc, on pourrait avoir des coopérations renforcées qui échappent à ce vice fondamental de la règle des neufs et euh, qui viennent ensuite requérir l'arbitrage euh, à l'unanimité, chose parfaitement absurde, pour faire des coopérations renforcées absolument exactes, absolument européennes, très profondes, que l'Europe n'aura qu'une seule volonté, c'est d'intégrer. Mais euh, très bien, euh, tout le monde sera d'accord pour le faire. Mais elles n'auront pas été initiées dans le cadre des institutions actuelles, mais elles auront été d'une manière euh, tout à fait légitime néanmoins. Qu'en penses-tu? Je pense qu'on va arriver à une architecture qui va être d'une complexité absolument folle, alors que l'Europe est en train de s'élargir encore à d'autres États, mais aussi, d'une certaine façon, ce que tu dis, permet précisément d'arriver à trouver les moyens d'aller de l'avant, alors que nous sommes de plus en plus et que ça devient extrêmement compliqué d'avoir une ligne commune. Je te remercie. Et il est vrai, même si on sait que les solutions constitutionnelles ne sont pas les seules à nous permettre d'aller de l'avant en termes de, de construction européenne, elles restent absolument essentielles. On verra si, euh, le cas échéant, euh, ces questions passeront euh, dans la discussion de ceux qui s'attellent à essayer de réformer les traités. On n'en est pas encore là. Merci Jean-Louis.